Fibromyalgie. La fibromyalgie a une prévalence comprise entre 2 et 5% de la population, en particulier dans des pays comme l'Italie, l'Allemagne, le Portugal et l'Espagne. Le principal groupe à risque sont les femmes, chez lesquelles elles touchent 10 fois plus que les hommes. La fibromyalgie est un trouble chronique qui compromet la santé des muscles et des tissus mous. Vos symptômes sont considérés comme subjectifs, car ils ne peuvent pas être mesurés par des tests. Pour cette raison, ces causes exactes ne sont pas établies, à son tour, il est difficile à diagnostiquer. En fait, en raison du manque de preuves objectives pour expliquer ce trouble, de nombreux professionnels de la santé l'ont remis en question. Bien qu'il soit maintenant plus accepté par la communauté médicale qu'auparavant, certains médecins et chercheurs doutent de son existence. Cependant, diverses études ont facilité la compréhension de la maladie, de sorte que la stigmatisation et la controverse ont disparu. Cela a également été essentiel pour déterminer que la combinaison de certains médicaments avec des changements de mode de vie aide à faire face. Comment éliminer les grillons ou les sauterelles du jardin en toute sécurité? Entretien et maintenance d'un tapis roulant à domicile. Burata, qu'est-ce que c'est et quels sont ses avantages? Qu'est-ce que la fibromyalgie? Le syndrome de fibromyalgie se caractérise par des douleurs musculo-squelettiques généralisées, en plus de la fatigue, des problèmes de sommeil, des zones de sensibilité et des changements soudains d'humeur. Elle est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes et est la deuxième affection la plus courante qui affecte les os et les muscles. Plusieurs fois, les symptômes apparaissent après avoir subi des accidents, des infections, des interventions chirurgicales ou un stress psychologique prolongé. Cependant, à d'autres occasions, les malaises apparaissent et s'aggravent avec le temps sans déclencheur clair. À l'heure actuelle, il n'existe aucun remède contre cette maladie. Le traitement est axé sur le contrôle ou la réduction des symptômes. Pour cette raison, les analgésiques, les thérapies physiques, les régimes alimentaires et d'autres habitudes saines sont souvent recommandées. Fibromyalgie. La fibromyalgie provoque des douleurs musculo-squelettiques continues dans différentes parties du corps. Elle peut être bénigne, mais sa gravité peut augmenter lorsqu'un diagnostic et un traitement rapide ne sont pas donnés. Cause. Le mécanisme étiologique de la fibromyalgie n'est pas encore connu avec certitude, cependant, l'une des hypothèses suggère que la maladie se développe en raison de la façon dont le cerveau et la moelle épinière traitent les signaux de douleur provenant des nerfs. Cela signifie qu'il existe une plus grande excitabilité des voies nociceptives et sensibles du système nerveux central, mieux appelée sensibilisation centrale. Ceci, à son tour, est la conséquence de stimuli douloureux répétitifs, ce qui conduit à une inhibition de la sensation de douleur au niveau de la colonne vertébrale. Cependant, des années de recherche l'ont également lié aux éléments suivants. Génétique, lorsqu'un membre de la famille souffre de fibromyalgie, son risque de la développer est plus élevé. Il semble que certaines mutations génétiques jouent un rôle important dans cette affection. Cependant, ces gènes n'ont pas été identifiés. Infection, certaines maladies semblent influencer le développement et l'évolution de cette maladie. Traumatisme, les personnes subissant un traumatisme physique ou psychologique peuvent développer la fibromyalgie. De nombreux cas sont liés au TSPT. Facteurs de risque. En plus des causes mentionnées ci-dessus, il existe d'autres facteurs qui peuvent augmenter votre risque de fibromyalgie. Ceci inclut. Sexe, les femmes représentent entre 80 et 90% des cas de fibromyalgie. Maladie, bien qu'il ne s'agisse pas d'une forme d'arthrite, les maladies rhumatismales, telles que le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde, augmentent le risque. Antécédents familiaux, vous êtes plus susceptible de l'avoir si d'autres membres de la famille l'ont. Sédentaire, l'inactivité physique peut influencer le développement de la fibromyalgie. De plus, il influence également l'augmentation de la douleur. Prévalence de la fibromyalgie. La fibromyalgie a une prévalence comprise entre 2 et 5% de la population, en particulier dans des pays comme l'Italie, l'Allemagne, le Portugal et l'Espagne. Le groupe le plus à risque est celui des femmes, dont le pourcentage est 10 fois supérieur à celui des hommes. De même, il affecte plus fréquemment les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde, patients atteints de maladies auto-immunes, personnes dans une tranche d'âge entre 20 et 50 ans. Symptômes de la fibromyalgie. Le symptôme caractéristique de la fibromyalgie est une douleur généralisée. Elle est décrite comme une douleur légère, gênante et constante qui affecte de nombreuses zones du corps. De plus, elle dure au moins 3 mois et se produit des deux côtés du corps. Les autres manifestations cliniques de la fibromyalgie sont épuisement ou fatigue. Dormir pendant de longues périodes sans se sentir reposé. Troubles du sommeil, tels que l'insomnie, l'apnée syndrome du sommeil et des jambes sans repos. Spasmes musculaires ou brûlures.
difficulté à atteindre la concentration mentale, fibrobrouillard. Nervosité, anxiété et dépression. Femmes souffrant de fibromyalgie. En plus de la douleur généralisée, la fibromyalgie provoque une fatigue chronique, des problèmes de concentration et des sautes d'humeur. En fait, la maladie est liée à l'anxiété et à la dépression. La fibromyalgie est souvent confondue avec d'autres affections telles que l'arthrose, la bursite ou la tendinite. Cependant, au lieu d'affecter une zone spécifique, la douleur et la raideur peuvent être ressenties dans tout le corps. Puisqu'il peut coexister avec d'autres maladies, certains patients présentent également les symptômes suivants. Douleurs abdominales, ballonnements, étourdissements, constipation et diarrhée, syndrome du côlon irritable. Maux de tête ou migraines. Bouche, nez et yeux secs. Sensibilité au froid, à la chaleur, à la lumière ou au son. Cystite interstitielle ou syndrome de la vessie douloureuse. Engourdissement ou picotement dans le visage et les extrémités. Diagnostic. Il n'y a pas de test spécifique pour détecter la fibromyalgie. Les nouvelles lignes directrices suggèrent qu'un diagnostic soit posé si la personne éprouve une douleur généralisée continue pendant 3 mois ou plus. Cela inclut également que la douleur n'a pas d'autre cause identifiable qui pourrait l'expliquer. Votre médecin peut demander des analyses de sang pour écarter d'autres causes possibles de douleurs chroniques. Ces tests aident à déterminer, par exemple, les niveaux d'hormones et les signes d'inflammation. De plus, ils peuvent comprendre. Numération globulaire complète. Vitesse de sédimentation. Dosage des anticorps peptidiques citrullinés cycliques. Anticorps rhumatoïdes. Analyse de la fonction thyroïdienne. Traitement. Il n'existe pas de traitement unique pour contrôler tous les symptômes de la fibromyalgie. En général, certains médicaments sont prescrits et des changements de mode de vie sont suggérés. L'objectif est de contrôler la douleur et d'améliorer la qualité de vie globale. Médicaments. Selon les symptômes, le médecin peut prescrire des analgésiques, des antidépresseurs, des relaxants musculaires et des médicaments pour induire le sommeil. Les 3 médicaments approuvés spécifiquement pour la douleur de la fibromyalgie sont les suivants. Duloxétine, Cymbalta. Milnacipran, Savella. Pregabaline, Lyrica. Les analgésiques en vente libre tels que l'acétaminophène, l'ibuprofène et le naproxène sodique peuvent également aider. En outre, votre médecin peut vous prescrire un analgésique sur ordonnance tel que le tramadol, Ultram. L'usage de stupéfiants est déconseillé car il peut entraîner une dépendance. Médicaments contre la fibromyalgie. Les analgésiques jouent un rôle important dans le soulagement de la douleur de la fibromyalgie. Ils peuvent être en vente libre ou sur ordonnance. Thérapie. Les patients atteints de fibromyalgie peuvent réduire la gravité des symptômes grâce aux avantages de certaines thérapies. En fait, ceux-ci sont souvent suggérés pour compléter les effets des médicaments. Les plus fréquentes sont les suivantes. Physiothérapie comprend une série d'exercices pour améliorer la force musculaire, la flexibilité et l'endurance. Pour ses bienfaits, les exercices aquatiques sont recommandés. Ergothérapie vise à faire des ajustements autour du travail ou de la façon d'effectuer certaines tâches. De cette façon, vous pouvez réduire le stress sur le corps. Thérapie psychologique, parler avec un psychologue est essentiel pour apprendre à adopter des stratégies de bonne gestion du stress. Style de vie. L'exercice modéré régulier est une autre clé pour réduire l'impact de la fibromyalgie. De plus, ces activités permettent également de libérer des endorphines, qui combattent la douleur et les sentiments de découragement. Les activités recommandées comprennent la marche, la natation, le vélo et des exercices de relaxation. D'autres habitudes qui aident à contrôler les symptômes sont énumérées ci-dessous. Bien dormir. Bonne gestion du stress. Adopter une alimentation saine, abondante en fruits et légumes. Garder un poids santé. Dans le cas de l'alimentation, il est important de considérer les besoins nutritionnels de chaque personne. De plus, il faut garder à l'esprit que certains aliments peuvent aggraver les symptômes. Par conséquent, il est important de concevoir un régime avec l'aide d'un médecin ou d'un nutritionniste. Exercice physique. L'exercice physique modéré peut aider à diminuer les symptômes physiques et psychologiques de la fibromyalgie. Cependant, il doit être complété par une bonne alimentation. Thérapie alternative. Les thérapies alternatives ont été utilisées depuis l'Antiquité comme adjuvant pour traiter de nombreuses maladies. Cependant, son application est devenue plus populaire ces dernières années, en particulier chez les personnes atteintes de maladies chroniques. Certains ont même été acceptés en médecine conventionnelle, car il a été démontré qu'ils peuvent réduire en toute sécurité des symptômes tels que le stress et la douleur.
Malgré cela, plus de preuves sont nécessaires pour soutenir son efficacité dans tous les cas. Ces traitements comprennent les suivants. Acupuncture. Manipulation chiropratique. Méditation, yoga et tai chi. Massothérapie. Prévoir. La fibromyalgie est une maladie chronique qui peut causer des symptômes à vie. Certaines personnes connaissent des périodes où leur douleur et leur fatigue ne sont pas aussi intenses. Malgré cela, pour beaucoup, le pronostic n'est pas bon. Certaines personnes peuvent souffrir de handicaps ou de limitations physiques. Cependant, cette affection ne menace pas les organes et tend à s'améliorer avec l'application des traitements prescrits par le médecin. Beaucoup connaissent même une amélioration en modifiant leur mode de vie pour atténuer le stress. La prévention. À ce jour, il n'existe aucune méthode efficace connue pour prévenir la fibromyalgie. Pourtant, le maintien d'un mode de vie sain réduit les risques. En particulier, il est préférable d'éviter l'exposition à des situations de stress sévère ou d'insomnie prolongée. De plus, il est pratique de mettre en pratique les éléments suivants. Pratiquer un sport ou une activité physique. Adopter une routine de méditation ou de yoga. Lisez ou consacrez du temps à des activités qui vous permettent de vous vider l'esprit. Maintenir une alimentation saine, basée sur des aliments frais. La fibromyalgie est une maladie qui compromet la qualité de vie des personnes qui en souffrent. Cependant, il existe actuellement des traitements efficaces pour son contrôle. Compte tenu de ses symptômes, il est important de consulter un médecin, car des soins opportuns empêchent le développement d'autres complications. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.